Donc cette séquence, ce sont les mémoires de Marcel Delpastre. Je vais commencer par deux passages qui sont extraits du premier tome qui lui a été écrit en occitan, La Via Prunda de la Memoria, qui est paru d'abord en français chez Payot, Les Chemins Creux. Mais en occitan, c'est Les Chemins Creux de la Mémoire, ce qui est d'une autre teneur. Et puis ensuite, au fil des autres tomes qui sont écrits en français. Quand mon père venait voir mon mari, au bichiquet, on lui dit même per cas de mourir au coquésour. C'est air qu'on que dans la veille chercher n'est-ce. C'est remarqué dans la manne, la pauvre que Penachi parlava. Disant que si era état ou le drôle, son père n'era le cause qu'il lui a fait tant pas un jour quand era pite et d'un racrebo. Va-t'en vere. Que monde, il y a chapa l'outemme des cent ans que c'est mari devant un tri, que j'y serme un qui ne bouda, que pouvait pas être au dura chez les filles. Tout à fait, je perds un jour un autre, la manne lui manquait de coucare. La mari d'Eren tout Paris, un quel homme, un chadoulau, pas d'eau pufi quand t'era à des yeux, pas plagène quand t'aille à bégu. L'y faut que non chèque en déménage et l'y menave triste vite. D'avant la noche, qui demain lui promettait une robe de fufu et de choulier de papa à pas. Et là, je tournais à dire, et comprenne pas que la fauche rire, riche pas tant l'usure que la vous gémena au fait de 15 ans à toute force. Et il a pris ta chacouisale et voulait pas na. Chez je comptais, l'autre pied per nomo, li faut qu'il fasse tritour de treuil. Mais que la manne a tombé, la pauvre chez caché n'assemble. Des bonheurs, jamais vivions, l'oumièmo violace et pourtant lui. Lui dava tant que pouillon, mais il a plopro à faire péril, et la manne a purave. T'es que trop de chale, ma faut caché m'assemble. Comment ferai per le yé que pauvre petit? Le guébé. L'homme n'a pas bien mal. Il y avait d'autres idées entières. Un jour qu'il y a nous, Marie Grande avait ma épia qui faisait le rejour au petit vale. Les sarnichiens, le pionnavo, lui posaient la main sur les oignets. Le drôle est tout, j'avais dire, ma venue rousère prête pura. N'irai pas cogner, j'ai dit la bonne fenne. Je ne ferai pas ça, mais je savais bien qu'il m'en a parole à dire parce qu'il est tourné China en l'Union d'Ossé. A piti quei che che venghe ruse mai lu pura li monte, co che te apri torne per che scusa. A io begu, voglio fa fa de mau. Begu u pa, ero in surveillance per ye fa la rajou a co cu drôle ou droulette, mais je venais pas. Je plante pas de beurre per conni de fa troubado mau à la fin, au piti mai au qui te vegi. Ma cosa bec per vira autre mai, un jour chem pou jouner. A io begu la pou jouder la topa, no pleno fiolo, ero pla forte les dum. Che cugne qui zazu lo soreto, colu zitavo di ler, ne levavo lo soreto, ma colu tue pa. A io betam begu d'autra soja, de vide, chitre, de toucha che io pugu truba, che nem bode, bode la pou jou, come la resto, sentire. Coquete a prie, lo yon perdu. Lo ser savant, o ia perdu lo se, lo ser saiabe, un chrétien tassetti che chove o bel lo se. Lo ser serem, ma lo trubavon pa. Dès chacune de vos filles tournées, je viens dire, pour dire, tu ne tourneras pas à faire des morts, et je dis l'obéissir. Quand il y a un mal, pas que tournées, et que métier, je lui fais prier le bâti, et nous n'avons plus dormi. Et redon, je suis, le radeau, ça m'y, mon père est venu, il n'y a pas poché à te prier, quand il a pris les courchirs et la fourrier. Mais il pensait, dire qu'il était là, ou de toute façon, il ne m'aurait pas fait de mal. Nègre, je gure. L'humeur veng, l'os enderma, le monde aidé, si per eda, per vere, et chez avant de l'humena per la brune d'une gaffe, ma virava toujours de l'autre écoute. Le paysir era pas tombelle, ma ribavant pas l'autre pas tout parier. Guillaume, qui retient entre l'autre, lui parlava, comme si era et invito. Ah non, les chotes fa! Et tout d'un coup, et contre nous, et il t'a contre nous, tout chavita, mais ou renguer, cogne pas pocha. Per parir. Ciò che tu ne ben po' il mondo, quel che c'era è stato un pero, un grosso pero su un co e la maglia da relicino. Te, ce ne vebbe d'altri. L'altro passaggio di questa via Prunda, c'est l'évocation d'une cousine de son père, l'Anna dell'Archi. Moi, ce passaggio me touche beaucoup. Mais je viens de mettre de l'Anna dell'Archi. Era un bimporen, quero la cugina zermano de mon pai. Toplotan che ero in l'arci come più tard, quando c'è fugue brezzato, poche prou, un chachoir, e mai che mai un choubeu frais, per de la rajou d'eritase che io e comprenore e sanugheire, tu dunque lo vegeo mariba, un mandi, plo fiolada, plo che numenavo bien, io lo voglio scegre de pertu. Que jour, la mémé et maman eron nada, lava mon pai batisio la fossa purin, per marchar la picho d'ogagnou.
quero bien calculo, a cuto cure no pesiro che sembrava tutto leigo do puei con plevio, la savo in sembre che leigo pleno bundo e le leigo de fumorie piti a piti co se buirava in levada e con avo bagna tutta la buese per ojar co pudio. Me su venne da quel odur che tutta la sarira den sermon era un perfumo da. Deguche plogno pa, en lo fe morire en la sarira davant la porta, nen do ieve senti da outre lo vegi. Oui, quand je suis fort, mais en que la boise, je suis pays rouge, seul je verrai l'herbe. Mais je tourne à ce jour que l'anna d'un l'arche est revenue. La fin d'un moyen léche comme le mérino, que me perdio pas de ouais. À du moment, l'anna dit, te, va comme le pôle, que mon père, le petit va venir comme yo. Eh bien, fais bien ten chi. Oh, que pas lui, on ne le perdrai pas. En erin comme mon père, et de tout un temps, le vigier travailla. Ma c'è l'anno tu du battagliavano e io come nu ye de l'ovigia, un che esitava la terra palada, l'altro che faceva rebesciato de ver lucro. Ovigie la maciola che pete l'avant, me calculie, quella maman. Me vege pa marsa ni chègre lucendo ru, ma quand ribie au pesaru, la doa fena che ron la grande pesi, ok, mie pierre, mie motte de le valu braci venguto, o si è bien bravo sa papa. Et de me parler du chemin de pau casa pau, et que tombier sur la paisire. Quei co que me fogue pau, et quei choc que l'aï me végète à l'oupessaru et que me chuvène. Per tiriba, a yobe de gupocha à l'ora de l'autre paisira, le a yopa tumbo, a yopa gupau. Quei malomeri, non. Quand l'anna s'ennuyait comme mon père qui est tourné à l'omejo, et l'opita. L'anna a yokito même pas fotéchi qui repu comme il, mais yop oublida. Et l'homme est rino de cour, et d'un shirt à mon pays, le pauvre homme, et quand il y aurait un fac de me garda, et de créda à la fena, il rougeait de même venir de riba. Et comment notre? Tu parles d'une feste, n'est-ce pas que parle, justement. Zomme et l'homme est rino, perdonné à l'homme, mes penches de maillet ou bludon, quand il y a tobe promé de me garda. Et il y a toujours que reproche contre quelle fena. L'or est chez Biombin, quand t'es venu. Mais quand parlant de chapeau brevita, aventure rouge, t'y allais lourd au Aubert Paris, quer zameshi ne spesso de me preparilo. Pensa, m'oblida io lo chant de l'urchant et le pruno de l'urue. Soglio beesce lo darire de la darira. Mon quitte paio io se par de reproche et ne tournavo tumba poche pour surtout lo tunichulo, l'archimelo del pastri che ie rompere. D'ailleurs le plus grand dépit que pouvait faire mon mai et que l'on me tournava de co, quand Rigia, qui Rigia bien, d'au plus franc au cœur, mon âge pléchava de nao entre l'oué, de trépitar imoda. Pouvait pas je souffrir, mon mai. Plécha pas ti tourna comme l'anna d'un l'archi. Et yo, comme coupavo l'ourir et coché, yo m'a de dire anna d'un l'archi. Au rodenguer, recque de men chuveni comme Charles au cœur. Pertant, les m'avo bien, yo l'anna, que plus tard se fogia au plat trèje. Per le premier de l'an, enviavo toujours nos entopites cartes florida et yo toujours co comme d'aglio de lourdes ou d'allure per nous convenions. Yo li fogia fieto, pas chez Rojou. D'un coculet, lo semblavo yo l'anna. Si m'ai regardado, mais si opplochetto m'ai oblidado. Que zof, et chegur, li n'ai pas voulu, mao de maillet oblidado, que zof famou, tout le contrari. Desce tombin gardado, yo, non yo m'appelena a peu, et la vita que menavo e, lo percio che n'en sobio, quei lo buede probable, que meno yo fa pao, pa lo remudo di. O chabe plo, un vei pa guerisce l'autre, et de toute manière un po pa tout aille. Chavita de lo, mo yo pa convengu, tal quer, ma di lo mia, ya yo tous or placho per cocore de parier, qu'un vegio pa, que degu yo pa metier de cunesce, que chabio yo, que mama e la pora fenno vegio de lune de defor, n'endre un te o yo pa d'entra, ma de fiala chaden de malicho la porte, trepita rimada de rire sur mon na, anna den l'archi. Quero no pito punso da iju che me plantavo ple cuer e che dall'altro ecuto se plantavo in su propri cuer, no pito gutto de pue giù entre noutra. E pa di che lo grano, lo primiero pito grano, non fughe pa scennato che usò de sciulei che la fenna pete lo van al pesir. Pau branna, mau e mado, mau e monto, zitado de forma pa se i creda, che fogio remascio che conto pa, che voglio remascio che se paio pa, che domandavo tuscio che de gu puio boia e che se contentavo de re ucagi. Pau branna, morta ouro, sabe unte, sabe cura, o vande la posate, leve che lo pero, che busci de ro muore in laburamo suveni, che lei trubò di ma memoria, giuste tu unte me perdere. Pa
passage magnifique. Dans le temps des noces, Marcel Delpastre avait imaginé un code de la route jouant sur les doubles sens, texte à la plume, sergent-major, dessin à l'encre de Chine, bluette dont elle avait fait 3 exemplaires, chacun unique. C'était à l'époque des nouvelles. Elle parle de l'éditeur René Rougerie qui en avait publié quelques-unes. Mon code de la route, triple exemplaire unique, a bien amusé plus d'un initié. Il n'a pas pour autant trouvé d'éditeur, il faut dire qu'il n'en a guère cherché. Tout au plus poussé par Gilbert Téjean, qui était venu passer quelques jours, l'ai-je montré à Rougerie, qui était à ce moment-là mon arbitre des élégances, qui n'en fit pas grand cas et surtout parla du danger en début de carrière d'être étiqueté définitivement dans un genre mineur. Je pense avoir assez bien compris à ce moment-là ce qu'il voulait dire, mais je me souviens d'en avoir été indigné, et non pas surprise, mais indigné. Car qu'est-ce qu'un genre mineur ? Le texte illustré n'est pas un genre mineur. Pour moi qui écrivais, pour moi qui dessinais, qui avais passé des heures dans l'admiration des porcelaines et faïences de tant de pays, qui gardais le souvenir kafkaïen des aventures du savant Cosinus, je ne pouvais pas admettre que ce fût un genre mineur. Je ne pouvais pas admettre que le rire et ce qu'il amène fût d'un goût inférieur. Je pensais seulement que dans tous les genres, il y a de bons dessins, de médiocres, de bons textes et de mauvais. Rougerie en avait publié d'excellents et de moins convaincants. Je n'en avais pas conçu pour leurs auteurs un intérêt moindre. Bien au contraire, j'ai plus encore aujourd'hui une grande gêne à voir un auteur confiné, limité, enfermé dans un genre, même majeur. Un philosophe qui ne sait que dévider des idées de plus en plus filandreuses. Un romancier qui, à longueur de vie, écrit et réécrit le même roman, la même histoire historique peut-être, qui va donner à ses lecteurs le lait et la crème qu'ils attendent de lui. Moi, de toute façon, à l'instar de tant d'autres, peut-être aurais-je pu fabriquer des romans sur mesure. Il suffit d'aligner des phrases, croit-on, et cela, je le pouvais. Mais n'est pas romancier celui qui nous donne toute sa vie à ses personnages, qui par eux ne se laisse pas posséder jusqu'à la consommation. La consommation, consommation et consommation, merci, je connais. Justement, je connais. Ce n'est point le personnage fictif du roman qui m'aura dévoré. Il est dans l'écriture d'autres passions tout aussi ravageuses. J'en ai eu ma part. Il n'est pas douteux cependant qu'en l'occurrence, et malgré cette indignation qui n'a fait chez moi que croître jusqu'à la plus violente colère avant que je n'en vienne à la dérision résignée, il n'est pas douteux que Rougerie avait raison. Dans ce pays, dès que vous produisez la moindre petite chose, avec ou sans succès, on vous colle au front un signe indélébile et réducteur qui va vous classer pour la vie dans une catégorie rigide sans nul espoir que jamais vous trouviez la sortie. Entre mes yeux, comme le signe indien, n'avait-il pas gravé l'étiquette auteur de nouvelles étranges que je portais avec plaisir un petit moment ? Avec en filigrane ce ridicule surnom de pastourelle encore plus difficile à laver. Et si, bien sûr, lui-même en ce temps-là m'avait enfermé dans ce rôle qui lui convenait, qui me convainc 2 ou 3 ans peut-être, et puis je secouais le joug. J'avais autre chose à dire, autre chose à faire, je le ferai. On est toujours quelque peu étonné que ceux que vous croyez qui vous aiment ne vous suivent pas sur vos nouveaux chemins. Mais si ces chemins-là sont les vôtres, vous les suivez. Que ce soit d'une âme légère ou le cœur déchiré. J'avais créé des nouvelles, je refusais d'en fabriquer. Que je les ai écrites dans un éclat de rire n'empêche pas que j'ai sué sur elles sang et eau et qu'elles m'aient sucé la plus profonde moelle. C'est à cela même qu'on peut reconnaître l'effort gigantesque de la création. Pour le travail artisanal, bien fait, mieux fait peut-être, j'avais acquis, eût-on cru, des réflexes nécessaires. Quel intérêt ! Certes, j'y avais pensé. Je le savais que d'autres classifications tout aussi pernicieuses attendent l'écrivain, l'artiste quel qu'il soit, plus arbitraire encore que celle du genre littéraire, plus insensé, plus carcéral. Ne m'étais-je pas retiré en solitude dans ma ferme et le silence de cette campagne pour attendre, recevoir la grâce de la poésie ? N'était-ce pas elle, la belle, la pute, la garce qui m'a guiché de tant de séductions et dirais-je qui m'appelait d'une si absolue nécessité, d'un sourire fatal ? Qu'on l'exprime n'importe comment, ou par l'appel tragique, ou par les sous-entendus de la dérision, oui, c'était bien elle que je cherchais. Comment peut espérer de voir le visage de Dieu ? Oui, c'était là mon ambition, non pas celle des réussites difficiles et illusoires de la richesse ni de la gloire, celle tout aussi illusoire et non moins difficile de la rencontre avec la poésie. Oui, c'était cela que je voulais au plus profond. Par chance, c'était cela. Car qu'aurais-je pu attendre d'autre ? En ce pays de France, en notre pays, vous serez classé, je l'ai dit, par genre. Avec un peu de chance, vous le serez peut-être par qualité. Vous le serez avant tout par situation géographique et selon tout au moins que vous habiterez ou bien n'habiterez pas Paris. Vous serez parisien ou bien provincial.
Cela fait toute la différence. Vous seriez italien de Lombardie ou de Sicile, qui vous en ferait grief. Vous seriez allemand de Berlin ou d'aucun des Länder, quelle importance. Anglais, Oxford, Vaux, Cambridge, et ce ne sont pas des nations. Mais en France, il n'y a plus qu'un monde entre Toulouse et la capitale, Iné-Bombec, que de Paris. Vous serez parisien ou bien régional, et même régional. Vous porterez l'opprobre ou la petite gloire de votre région. Petite auréole, si vous êtes breton ou basque ou même bourguignon. Mais du Limousin, mais de la Corrèze, que peut-il venir de bon de la Galilée ? Et encore, si vous êtes un littéraire, professeur d'université, député séculaire, enfin, si par vos activités, votre fonction, vos relations, votre naissance, quelques tentacules ou quelques dendrites, vous pouvez prétendre à toucher Paris, peut-être alors pourrez-vous aussi espérer jouir d'un préjugé favorable. Or, de qu'une façon, tel n'était pas mon cas. Du dernier échelon de l'échelle sociale au plus bas, je pouvais coasser longtemps sans que personne n'entende. N'était-ce pas André Gide qui avait dit vers 1920 qu'on ne peut pas écrire, faire de la littérature avec des mains noires, des mains tachées de terre ou de cambouis, des mains abîmées par le travail des mains ? Mais avec quoi les lavait-il, Monsieur Gide, ses mains, qu'elles fussent tachées blanches pour accomplir l'œuvre d'écrit ? Les grands hommes ont écrit beaucoup de sottises, les moins grands aussi, naturellement. On n'avait pas encore démontré à l'époque, pourtant récente d'André Gide, que le travail des mains a construit le cerveau. La sagesse du peuple, elle, le savait, qui confondait le maladroit avec l'imbécile et qui disait d'un sot « Chaubrio pa fan a saviglio per bussa chuntio ». Il ne saurait pas tailler une cheville pour se boucher le cul. Se boucher le cul, rafistoler un verre d'une rime inutile, c'est une affaire toute semblable de cheville. Le langage ne s'y trompe pas. Mais peut-être quelqu'un voudra-t-il m'apprendre ce qu'il en est de la rime ou comment parlent les paysans. Dans le jeu de patience, quatrième tome de ses mémoires, elle part de sa rencontre avec Jean Mouza à la première fois qu'elle a assisté à l'Assemblée générale de l'association Limousin et de la revue. C'était l'été 63 et c'est cette rencontre qui va déterminer son passage à l'occitan comme langue d'écriture. Elle va parler donc de comment est arrivée la langue qui est en mes plats, son premier psaume en occitan. Jean Mouza vint se présenter à moi et quelques autres qui avaient entendu parler de moi il y avait plus ou moins longtemps. L'un qui me confondait avec une poétesse locale à cause de la consonance des noms, il n'en était pas sans doute à une confusion près. Suivit la séance du comité d'études Limousine. Nous eûmes droit à un long exposé de Jean Mouza, tout en limousin, pendant lequel j'en appris davantage sur ma langue, celle que je parlais encore tous les jours, en une petite heure qu'en 38 ans de vie. Jean Mouza parlait lentement, posément, le mégot collé négligemment à la lèvre, en un limousin qui me parut être celui de Tulle, quoique peut-être un peu littéraire, dont pas un mot ne vous échappait. Il commence une phrase, racontait Gérard quelques années plus tard, il va, il se perd, il se rattrape, tu ne sais pas s'il la finira, et même, il ne la finit pas. Ça ne fait rien. Tout le monde a compris, tout le monde est content. Tout le monde avait compris, tout le monde était content, j'étais émerveillé, moi, que l'on pût parler si clairement, si longtemps, dans une langue aussi décriée que la nôtre, pour exprimer tant de choses plus passionnantes les unes que les autres. Je savais maintenant, ne le savais-je pas auparavant, mais c'est une chose que de savoir, c'en est une autre, d'entendre la vérité dans une autre bouche. Je savais maintenant que cette langue pouvait tout dire, les finesses les plus subtiles, des sentiments les plus passionnés, comme des plus extravagants, décrire les lieux les plus charmants, raconter les aventures les plus banales ou les plus fantastiques, même l'abstraction mathématique. Et je me fichais pas mal des mathématiques, moi, mais il y avait cela et tout le reste, et sans doute la poésie. Ils avaient beaucoup parlé de la poésie là-bas, vrai, presque autant que de la langue. Je pensais à cela le lendemain en me promenant sur le puits des Failles. On devait être en juillet, pas en août, sûrement pas en août, le blé était haut, mais encore vert, en fin de floraison. Il en venait une odeur suave comparable à celle de la fleur d'oranger. Là-bas, un peu plus bas, suivant le chemin entre d'autres parcelles mousseuses d'épis, une longue ligne d'asphodèles blancs ceinturait le plateau des Combes. Non, pourtant, c'était bien l'endroit et je m'y promenais. Seulement, on n'était plus en juillet, moins encore en juin ou fin mai, quand les asphodèles, dans leurs primes fleurs, bordent les blés lourds de pollen et d'étamines bleues. On était bien en août et la moisson devait être faite depuis longtemps. Mais je l'avais tant vu, ce paysage vert, dans sa jeunesse, tant respiré tout odorant de la sève des blés, une senteur d'orange. Je l'ai dit bien des fois, le blé, c'est le seigle à la paille souple, aux épis penchés, aux fleurs violettes sur la cendre verte des tiges. Pas le froment ni toutes ces céréales tendres qu'on voit maintenant. Et il montait des champs aux jours moites de la floraison, une odeur poignante, un peu fade, oui, tout à fait comparable au parfum de la fleur d'oranger.
C'était bien l'endroit et je m'y promenais. Peut-être que j'y gardais les vaches ou bien je ne faisais que passer. Je chantonnais. Toujours est-il que je chantonnais à l'eau d'ourde au sang des blancs. Et quel que fût alors le temps, le jour, le paysage, certes, ce que je voyais, c'était ce paysage-là, les blés en fleurs sous le ciel bas, pommelé de nuages, et la lumière par-dessous, quand la lumière passe par-dessous, puissante et douce, et qu'elle chante sur les moissons, tout émue, semble-t-il, humides et baignant de partout dans leur sève, comme si le chant était une seule plante et le souffle qu'on croyait entendre un long, subtil, silencieux gémissement d'amour. Oui, je pouvais le voir, même si je ne le voyais pas, je l'avais vu un autre ce jour-là, et d'ailleurs, ce que je disais n'avait rien à voir, la chansonnette douce qui, cependant, de loin, de bien loin, ressemblait au poème écrit, une fois écrit, un moment plus tard, quand déjà ce parfum oublié ne laissait sous les mots qu'une trace à peine sensible. La langue qui tant me plaît à l'odeur des champs de blé, son parfum est meilleur que la fleur d'orange. Une fois traduit, qu'en reste-t-il de ce parfum, de la chanson, du poème lui-même, de ce jour, de ces chants, des moissons en fleurs, non plus que de la langue. La langue qui tant me plaît, fait le bruit au gru des blancs embrésos et le moule. Mais cette langue-là n'était pas le français où la meule ramène à l'étule. C'était la langue d'oc où la meule rappelle l'ami et la tourte le four, son compère. Toutefois, ni en occitan ni en français, c'était là le poème, car le poème est tout autre, qui chante cette langue à l'égal de l'hostie, une hostie de pain de seigle, pour communier tout à la fois avec Dieu et avec la terre ensemble, vraiment assemblée, comme la laine à la sève des blés dans la langue qui tant me plaît. Oh, je ne dis pas, je ne renie pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai écrit, c'est écrit, dit un jour quelqu'un sur un sujet tout autre. Et depuis, on n'a toujours pas décloué l'affiche. Et depuis, on l'a interprété de bien des façons. Gloire suprême des uns, anathème des autres. Et quiconque aujourd'hui peut bien, proportion gardée, considérer mon texte comme une effusion d'amour ou se le rouler en drapeau autour du cou ou crier au scandale, voire au sacrilège. Mais qui retrouvera ce champ de blé tel que je l'ai vu, que je ne l'ai pas vu ce jour de la mi-août, les moissons faites depuis longtemps dans sa floraison nouvelle. Qui me rendra, fût-ce moi-même, le chant suave de ce jour-là qui me coulait des lèvres? Et qui pénétrerait plus loin que moi dans cette communion-là où Dieu parlait la terre? Allons, avec tout le respect le plus humble que je leur dois, me font sourire tous ces gens-là qui, d'analyse en analyse, disséquant un texte, prétendent aller plus loin que le poète, s'imaginent y trouver ce que l'auteur n'y a pas vu, en quelque sorte lui apprendrait ses propres intentions. Allons donc! Tu prends une fleur au fossé, tu la divises en chacun de ses organes, tu l'examines de près, tu prends la loupe, le microscope optique, le microscope électronique, de mécanisme en mécanisme, tu as appris la fleur, tu as compris la fleur, et maintenant, refais la fleur. Je ne dis pas non, comme le champ de blé, ou bien le souvenir du champ de blé, ou son image, comme la chanson naïvement venue aux lèvres. Le poème qui en est sorti peut lui-même devenir matière première, n'importe qui peut lire l'écrit, en tirer plus ou moins, et même toute autre chose, extrapoler à l'infini, écrire son propre poème. Et de même qu'il est advenu souvent qu'un musicien reprenne le thème d'un autre pour en faire peut-être un chef-d'œuvre plus grand, tout est permis, tout est possible. Mais ce n'est plus le même chant, c'est un autre poème, et la chanson, le champ de blé, l'auteur n'ont plus à s'y retrouver, ne peuvent plus s'y reconnaître. Est-ce que je reconnais réellement moi-même dans ce que j'écris aujourd'hui ce que j'avais à dire ce jour-là? Je suis plus près que personne pourtant de ce souvenir. Ce que je veux dire, c'est que l'auteur n'est pas inconscient de son œuvre, que personne ne vienne lui apprendre ni ses trucs, ni ses tics, ni ses mécanismes, ni ses intentions, aussi évidentes, aussi secrètes soient-elles, je dirais même aussi inconscientes et routinières, aussi étroites, hautes, mesquines, généreuses qu'on les puisse imaginer. Vous serez toujours en deçà. Lui-même, le moment passé, lui-même est en deçà de lui-même, ou alors il a raté son coup. Toutefois, une chose qu'il ne sait pas, qu'il ne veut ni ne peut savoir, c'est la répercussion proche ou lointaine de sa parole, de son chant, de son poème, de son œuvre quelconque, ni quel sera l'écho, ni quelque écho, si quelque écho en quelque temps, en quelque lieu recevra le message. Oui, je le pense, l'œuvre dépasse l'homme, elle ne dépasse pas le créateur, quels que soient les liens de l'un avec l'autre qui, d'une certaine façon, sont la même personne. La même personne, c'est là le hic. Le hic qui accepte l'épouse, la bête double, le serpent, et même, devrais-je dire, le chien dent, plus touffu que l'hydre de Lerne, plus dru que la crinière de Samson. Quoi qu'il en soit, le poème fut publié, mais avant cela, il dut subir une ultime transmutation, que certes, je l'avais écrit selon mon dialecte, et ce n'est pas cela qu'il fallait changer. La poésie proprement dite, il n'y fallait plus toucher, rester la graphie, l'orthographe, comme l'on dit, la bonne manière d'écrire. En Limousin, non. Je n'avais pas la bonne manière d'écrire. C'est pourquoi Migaud fut sollicité pour ajuster les formes. Migaud. On ne parlera pas plus longtemps de Migaud, mais j'aimais que le nom de cette personne tant essentielle pour l'occitanisme limousin et plus généralement soit cité.
Dans les lourdes chaînes de la liberté, qui est le cinquième volume, Marcel Delpastre, à propos de tout ce que nécessite le travail de paysan, de savoir faire varier, parle de jeu. Ce n'est pas sans raison que je dis jouer. Oui, tout cela était un jeu, un pari peut-être, un défi, très certainement, mais d'abord un jeu. Oui, j'avais bien choisi, ne l'ayant pas choisi, mais le hasard valait un choix, que ce métier de paysan qui m'apportait le jeu à toutes ses étapes. Car j'y jouais tous les métiers sans que je fusse d'aucun artisanat, d'aucune science, ni d'aucun état, et les enfants des autres étaient tous mes enfants. Comment aurais-je pu, institutrice, chaque jour ronronner à l'école les mêmes sujets, épicière au comptoir mesurer la même probande, employée m'en aller au bureau par le même chemin? Mais je devais ici tour à tour jouer chaque rôle, jamais celui d'une utilité ni même d'un emploi. Chacun, au contraire, devait être rempli à fond, infirmier ou vétérinaire, couvreur ou électricien. Mais chaque jour, ne fallait-il pas, et ne l'ai-je pas dit, m'en aller aux étables, et des heures durant, couper les betteraves, distribuer le foin, l'eau et le reste, et donc. Mais là était la vie, et la végétation des champs, et la croissance des veaux, et l'humeur des vaches, et celle des cieux. Tout changeait chaque jour de ce mouvement lent, plus imperceptible que celui des astres, tout aussi sensible, tout aussi sensuel, qui, ne l'ai-je pas dit, qui invente le temps. Pardon. Qui est le temps même, le temps du jeu, qui n'est que jeu, le jeu des jeux. En quelque sorte, et familièrement pour moi, la vie n'était que jeu, je jouais. D'une certaine façon, je jouais à la paysanne, je jouais ma vie. C'était un jeu dur, parfois cruel, et alors ? C'était un jeu extrêmement grave, à fleur de lame autant qu'à fleur de peau. Pas sérieux, grave. À fleur de lame, à fleur de peau, c'est ce qui peut se dire, c'est ce qui se raconte. Mais cette vie-là m'a blessé le corps, brisé les os, atteint le profond de l'âme. Est-ce que cela se raconte ? D'une certaine manière, oui. Mais ce n'est pas ce que je pourrais dire ici et tout cela du reste. Ce que je raconte et le reste était à fleur de lame, à fleur de vie. Parce qu'au-delà de ces apparences liées à la tâche, attachées à ce pieu, je l'ai dit, je l'ai dit. Je courais libre comme l'air, les papillons, les feuilles mortes, la sève enfermée aux arbres et la mer dans ses plis, la lune sur sa route et les lointaines franges de l'univers. J'allais où bon me semble et que m'importe que je ne sache pas même où je vais. Là où je suis, criai-je à ma mère, là où je suis, ni toi ni le voisin jamais, vous ne pourrez m'atteindre. Et j'éclatai en larmes, de colère, de rage, de honte et de chagrin, et d'en avoir trop dit, car ce n'est pas bien, non, de clamer ce qu'on a dans le cœur, de découvrir aux yeux des autres l'inanité des apparences. Mieux vaut les laisser se fier, fût-ce la crasse aux certitudes des superficielles couleurs. Ma mère n'en finissait pas de me lancer à la figure, comme si j'en étais coupable, les turpitudes du voisin. Et quand elle cessa, cessa-t-elle jamais? L'écho m'en résonnait encore dans les oreilles, pouvais-je croire, pour l'éternité. Parce que les égratignures à fleur de peau, à fleur d'âme, sont douloureuses comme un chatouillis, à force d'exaspérantes petites piqûres, à force d'insignifiance, usure et salissure sont un autre jeu. Mais cette vie, sinon de la jouer, comment la vivre ? D'une certaine façon, la publication des contes ou des proverbes ou des charmes, mais non, cela ne changeait pas grand-chose à la vie quotidienne. C'était arrivé, voilà, la belle affaire. Quelques jours, j'avais reçu le paquet des exemplaires qui me revenaient, ou bien Joudou l'avait apporté, des rosiers. Ça avait passé un moment, le temps de la visite. Un autre jour, on s'était assis, on avait écouté la radio, un truc comme un autre. J'étais payé pour ça. Tu parles d'une aubaine. Si tu devais vivre avec ça, l'humiliation tombait. Pire que si juste travailler pour rien. Oh oui, bien pire. Travailler pour rien passe encore. La gloriole aristocratique rejaillissait sous la roture. Travailler pour si peu, quelle honte! C'est vrai, d'une certaine façon. Je le ressentais moi-même ainsi. On me payait un livre, une prestation, un texte. Je recevais la somme dérisoire comme une aumône, la gratification du bouffon, le pourboire du larbin. Et je baissais la tête, les yeux avec la vergogne, qu'une autre vergogne m'empêcha de crier « Merci, c'est pour rien, je vous l'offre, excusez-moi de donner si peu !» Et je serrais l'argent comme un voleur, comme un avare. Fallait-il que je me vante devant mes parents de la somme reçue ? Un sourire amusé, un regard ne pouvait que répondre comme un miroir tordu à ma propre grimace. C'était parfaitement admis de tous et de moi-même. Je n'étais pas capable de gagner ma vie, pas du tout capable de vivre, et je me replongeais dans le boulot. Dans le passage du désert, qui est le sixième tome des mémoires, l'avant-dernier, elle parle du pays, de l'évolution du pays, du paysage. Lorsque je dus, voici quelques années, afin de prendre la retraite, me défaire de tout le troupeau,
Cela ne me gêna pas le moins du monde que de ne plus avoir à courir aux étables, à me relever au milieu de la nuit, à me coucher au moment où l'est, comme un vague miroir, commence à blanchir d'une teinte si éclatante, parce qu'on la sait irréversible, qu'elle aveugle sur la noirceur accrue de la terre. Non, pas un moment, je ne regrettais ni le travail, ni la rentabilité de l'élevage, ni même la présence du troupeau. Que les terres fussent louées, exploitées d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce que cela pouvait bien me faire ? Il fallut les louer, pourquoi pas ? J'aurais autant aimé, j'aurais mieux aimé les laisser en friche. Ce n'était pas encore la mode, je les louais. Mais quoi ? Une friche chez nous, c'est de l'herbe sauvage tout d'abord. Et moi j'aime l'herbe sauvage, les vastes tapis de trèfle blanc, la carotte sauvage et le millepertuis, les touffes clairsemées de l'eupatoir et le foisonnement des épilobes, des encolis bleus, l'empattement féroce des fougères. Et dans les graminées, tout un crépitement d'insectes, de papillons, de sauterelles, de libellules, tant de couleurs et tant de races, et les merveilleuses araignées. Et puis viennent les ronces, et dans l'abri des ronces et l'entrecroisement des herbes naissent les arbres. Un bouleau que transporte le vent, un chêne perdu par quelques pigeons, un châtaignier que transportait, qu'entreposait le campagnol, un noyer échappé au bec de la pie, un coudrier égaré par quelque écureuil, le poirier, le pommier, le cerisier, des merles et des gélés, le houx, et la faine et la graine des cônes, et l'éparpillement par le bec et la dent, la l'éjection et le pourrissement, la poche percée ou la main de l'enfant, le souffle et le ruissellement. Toute graine vous porte son arbre et l'arbre ses milliers de graines. La vie se sème et se ressème à profusion. Une friche aujourd'hui, c'est une forêt pour demain. J'aime les jeunes arbres et j'aime la forêt. Mais je n'ai rien contre des champs d'avoine ou d'orge, ou par sillons tracés en courbe sur la pente des puits et des combes, le vert profond de la carotte fourragère, le vert étincelant des rutabagas, le chevelu des betteraves, les prairies en mai, le jaune d'œuf des pissenlits dont chaque fleur est un soleil, et quand mûrit la graine, un duvet de rosée, et les prairies de juin, un frisson de blondeur, de roseur, toutes les teintes de l'herbe en fleurs, des graminées mûres pour la fauche, et la senteur du foin qui sèche, plus capiteuse que tous les parfums d'Orient, où l'on peut reconnaître d'ailleurs tous les parfums de l'Orient ou presque. Les vaches mangeront cela, distilleront en lait cette merveille, en chair savoureuse, en... Savez-vous au fait ce que l'on appelait il n'y a pas si longtemps l'eau de mille fleurs ? La pisse de vache. Et la distillation de la bouse produisait l'huile de mille fleurs. On a trouvé pour vous, messieurs, mes belles dames, d'autres produits à épurer pour en tirer l'odeur qui dissimulera avantageusement la vôtre, le pétrole. Mais d'où vient le pétrole ? Je dis tout cela, il fallait bien le dire, ou l'un ou l'autre jour, et j'y reviens. Je n'ai pas fini d'y revenir. Lorsque toute jeune et encore enfant, je voyais la marraine ou le grand-père se dresser sur le pas de la porte et la main en ovant sur les yeux, regarder au loin et dire « Loupoï a bien 100 ans ». Comme le pays a changé. J'avais bien du mal à comprendre, moi, ce que laissaient entendre et leurs paroles et dans leur voix cette nuance agaçante de nostalgie. Et pour l'enfant né ici que j'étais et qui vivait ici, pouvais-je croire depuis toujours, les choses étaient comme elles sont, que si les arbres avaient grandi, c'était de peu, là, et avaient poussé, on l'avait retaillé. De toute façon, on ne voyait que guère le paysage au-delà. Comment comprendre que ce qu'ils avaient vu dans l'enfance, c'était l'arrière des puits, le côté du nord, couvert de bruyères plus que de culture, les prés au bas des combes, contenus dans un tressage de clôtures vives, quelques taillis de rares châtaigneraies et les moutons partout avec leurs bergères se répandant la haule de colline en colline jusque vers Meillard. Les moutons qui arrasent l'herbe et tondent la bruyère et chaque rameau tendre à mesure qu'il vient. Les moutons qui ne laissent aucune chance à la friche ni à la forêt. Au village de Germont, disait la marraine, les communaux nourrissaient 300 moutons. 300 moutons et beaucoup de bergères, les filles, les femmes, les vieilles de chaque maison, bordiers autant que propriétaires. Or, les vieilles meurent, les filles s'en vont, le mouton ne survit que peu aux bergères. S'il revient, c'est par d'autres filières, trop tard pour concurrencer l'arbre. Disait ma mère, ce pays redevient la Gaule. C'est vrai qu'entre les arbres et même depuis l'eau de la colline, on ne devinait qu'à peine au large les prés et les champs. Et puis s'ouvrir ces larges brèches, les bois arrachés de partout, les prés dévastés, les talus arasés, les chemins creux abandonnés, comblés, la terre défigurée d'un coup, non plus dans la lenteur de ces transformations naturelles sur 50 et 100 ans, et 100 ans, selon les lois de la sève et le travail des mains, mais en quelques jours, quelques semaines ou quelques mois d'un déchirement subit, atroce, sans l'adoucissement des nouvelles semailles. J'avais connu cela dans le village, et que ce ne fussent pas mes terres, mes arbres, mes champs, c'était mes chemins et mes lieux de passage. C'était mon paysage et l'amour de mes yeux, la joie de mes pieds, le plaisir de mes bras. Le sort, quel qu'il fût, de mes propres parcelles n'ajoute que bien peu de misère au désastre commun, ne modifie que guère mon propre dépaysement. Et du dernier
volume, La fin de la fable, qui est en fait le journal d'un petit succès parce qu'elle a été publiée par Payot et qu'on l'a traînée à Paris, elle a participé à des émissions où souvent on s'est moqué d'elle. Enfin bon, La fin de la fable et puis surtout le journal d'une fin de vie de cette terrible maladie de Charcot qui l'a emportée en 3 ans, comme elle le fait généralement, ce passage. Je me surprends à prendre plaisir aux louanges, et là, pourquoi pas ? Une onction de baume sur la solitude, un parfum de baume sur le désespoir. Me faudrait aujourd'hui plutôt quelques pommades pour mon dos malade, un liniment. Ils auront tous tenu sur leurs jambes, debout, même mon père au dos courbé, même la marraine malgré ses ulcères. Mais moi, quelques démons me dévorent invisibles, peut-être depuis longtemps. Je le sens qui tressaute et fourmille, et je crois qu'il s'appelle Légion. Il grouille dans mes jambes comme un essaim de larves dans la vase. On m'a prédit que la douleur viendrait, peut-être qu'elle serait même insupportable. D'ici là, j'ai choisi de rire, que personne ne me parle, à moins que ce ne soit la sienne, de la douleur. J'ai bien assez pour maintenant de la souffrance. Allons, Marcel, lève-toi. Lève-toi et marche. Je me lève, je marche en m'appuyant au mur, à la chaise, à la table, à la rampe de l'escalier, à la serrure, à la commode, à l'autre chaise, je marcherai. Je suis dans la chambre, je vais me coucher. Ne faudrait-il pas aussi que je couche mes volontés dernières sur le papier ? Je sous-signais, saine d'esprit, sinon de corps. Et puis je m'en fiche. Qu'est-ce que cela me fait ? Ce que j'aime sera divisé, ce que j'ai rassemblé sera séparé, vendu, dispersé, brûlé, jeté. Le reste s'en ira pourrir loin de moi, avec moi, n'importe où, le peu que j'ai. Ils se battront comme des loups pour l'avoir et pour n'en rien faire. Et moi, ils me dépèceront comme la biche au bois. Le voudrait-il, ne le voudrait-il pas ? Il en sera ainsi, il en est toujours ainsi, quoi que l'on fasse de l'héritage. Ils effaceront jusqu'à mon ombre, et s'ils le peuvent, jusqu'à mon nom. Il est vrai que mon nom s'effacera tout seul, comme les autres noms. Peut-être un peu plus tard qu'il n'est commun pour le vieux loup, le sanglier solitaire, la buse qui pourrit par terre, quelques effluves qui resteront un temps à chatouiller la laine des passants. Qu'est-ce qui pue par là ? Faites pas attention, ne regardez pas, ça va sentir un temps, un peu de temps, l'acétylène ou bien la rose. Dans ce vieux livre au papier jaune que les poissons d'argent ont travaillé au bord comme une carte de bonne année, et l'humide des moisissures comme autant de larmes, et c'est moi qui ricane, peut-être qui chante encore un temps. C'est encore moi cette culbute, ce pied de nez, et oui, je rêve, j'imagine. Un jour le livre fera plouf dans la décharge ou dans le foyer, et moi dedans je ferai plouf d'un dernier souffle, comme quelqu'un qui tombe sur le nez, les pages écartées de part et d'autre, comme des membres, comme déjà je tombe et ne peux plus me relever, sinon d'un effort incommensurable à la chance. Or ce jour-là, je me noierai définitivement dans ma propre poussière, je flamberai d'un coup mon ultime enfer, comme il est dit en figure dans les contes. Mais cependant, peut-être que j'aurai dans votre paradis, Seigneur, ma petite harpe, un instrument céleste m'accompagnerait, mon souffle ne suffisant pas, mon haleine d'âme, à vous célébrer même selon mon infime mesure. Ne l'ai-je pas promis, hélas, que je vous chanterai si seulement vous m'en faisiez la grâce ? Oui, je peux bien pleurer, je peux bien dire, hélas, vous ai-je chanté, célébré, crié 1000 louanges ? Sinon, le dimanche, à la messe, parmi les bigotes, non, elle n'aime pas que je dise, nous, les bigotes. Non, elle n'aime pas m'accompagner de bigotes en bigoterie, c'est tant pis, même si j'en rigole. La grâce, vous me l'avez faite, la voix, vous me l'avez donnée, et moi, qu'en ai-je fait ? J'ai chanté la terre, ses voies et ses blés, ses forêts, l'orage et la mer, rarement les villes, et ce qui tient l'homme, mâle et femme, il les fit selon ce qui reste écrit dans le livre. Oh, que non pas de l'homme, je n'ai pas tout dit, quelque peu de ce que j'ai vu, de ce que j'ai su, de ce qu'il ne sait pas, peut-être pas qu'il pense. Je l'ai chanté femme, c'est vrai, mais aussi de l'autre côté, j'ai proclamé sa dérisoire gloire. J'ai essayé, j'ai aiguisé l'outil, j'ai peaufiné le fil. J'ai taillé à grands coups et poli le grain de surface. J'ai creusé le pli et modelé la face. J'ai cherché par-dessous l'apparence et la glace. D'un ciel qui semble sans nuages blancs, il neige de menus diamants et quelques gros flocons suivent le vent à ras de terre. Tous mes prétextes et tout me serait bon à éluder le reste, la neige. La neige et le gel m'empêchent d'aller. Les feuilles des lauriers devant la porte pendent raides. Le soleil ne les relève pas. Je chanterai n'importe quoi. Je pourrais raconter, mais à me rendre sourde, pour ne pas dire, ne pas savoir, pour oublier. N'avais-je pas promis, mon Dieu, de ne chanter pour vous que votre gloire ? À l'heure du bilan, de l'holographe, de l'enterrement, qu'ai-je fait en ces temps de ma plume ou de ma cithare ? Parler de musique et de quelque instrument, c'est dévier encore, car certes, Dieu ne me demande pas le compte des talents qu'il ne m'a pas donnés ou qu'il m'a concédés juste pour le plaisir, un peu de monnaie de poche. En aurais-je si mal usé, à courir les filles et le cabaret, à me saouler de fleurs et de l'odeur des fouets, à me rouler de rire ou de chagrin ? Alors Marcel, allons, reviens,
Lève-toi et marche. Sur tes pieds chancelants, fourmis devant l'immensité qu'on ne mesure pas, qui passe toute mesure, infiniment plus grand et plus petit que toi, mais qui peut aussi prendre taille à ta taille, ose parler debout, regarde-toi en face, dis-lui que tu as dit le peu que tu savais, chanter à ta façon ce que tu as connu. Tu te plaignais toujours devant les hommes babillards de l'infime épaisseur de ton œuvre. Tu gémissais en toi de ta vie misérable, pauvre d'argent, pauvre d'amour, de bonté comme de tendresse, voilà. Tu en es à la fin de ta vie, tu te retournes et tu la regardes comme un chemin qu'on voit d'en haut qui se perd sous l'ombrage et va luire plus loin, un peu flou par endroits sous la brume, un peu tout autre ailleurs à cause de la distance. Allons donc, le pain ne t'a pas manqué, ni quelques douceurs de la langue. La nuit, tu avais un toit et la chaleur autour de toi de toute une famille. Le travail, ah certes, le travail. Serait-ce le travail qui m'a rompu les os, ce travail-là ou l'autre, celui-là, le pain de la paresse? Je reste bouche bée. Est-ce que je l'ai mangé, le pain de la paresse? Tu restes assis par terre sur ton cul, dans ton lit, sur la chaise. Qu'est-ce que tu fais? Même la plume sur le papier cesse de laisser sa trace, la plume, le crayon, la bille. Qu'est-ce donc que tu fais? Tu réfléchis, tu penses, tu attends. Peut-être que les mots viendront, les idées, il en passe. Ou bien c'est le vide, la nuit dans la tête, le trou qui fait peur, le néant de la mort véritable. Les images, il en vient, la mémoire, des souvenirs de lieux, de voix, de personnes, des noms, des paroles. Mais les images sans les mots, les idées ou bien la mémoire, sans les mots, ces mots-là, cette propre parole, non, ça ne pèse pas d'autant de poids qu'une poussière au vent ou qu'une ombre de brume. Mais si les mots sont là, il faut les attraper vite, les attraper, ils passent, ils viennent d'où? Serait-ce le silence qui les engendre? Un souffle passe sur la mémoire. Un souffle émeut la face plate de la pensée. Un souffle bat le rythme et la balance et la danse de la poésie. Bien plus que le travail des os et tout le déploiement des muscles, tu sais que cet effort, cet infime mouvement du bras et le poids de la plume te laisseront nu, pantelant et tout sucé de ta substance. Et pourtant, tu le fais, tu poursuis, tu persistes à dévider le dévidoir des mots d'un fil ténu sur le papier, un filet d'encre. Et puis, et maintenant, regarde, c'est ta vie. Ma vie n'aura servi de rien, sinon que je l'écrive. Ma vie était utile, peut-être a-t-elle été utile à être racontée. Merci.